Oui, Valérie, il va vraiment falloir aller à cette réunion toute seule, hein, j'insiste. Oui, je suis overbookée toute la semaine. Voilà, merci Valérie, vous êtes gentille. Pendant que Valérie est en réunion, laissez-moi vous emmener entre Gavre et Quiberon. Ici, la mer et le vent ont dessiné un vaste massif dunaire de plus de 35 km de long, un site exceptionnel qui a d'ailleurs reçu en 2018 le label prestigieux de Grand Site de France. Nicolas, tu m'as donné rendez-vous sur une plage d'Erdeven. Faut dire que le site fait 35 km de long, ça en fait du sable. Pourquoi avoir choisi ici spécifiquement? Alors ici, on est sur une partie centrale du Grand Site de France, des dunes sauvages de Gavre à Quiberon. Derrière nous, là, on va trouver la presqu'île de Quiberon. Et de l'autre côté, si on continue, on va arriver plus sur l'entrée de la Ria d'Etel, les plages de Pouinec-Gavre et le petit bourg de Gavre. Ça veut dire quoi, le label Grand Site de France? Alors ça veut dire qu'ici, là, sur l'ensemble des 35 km, le territoire a retrouvé une qualité au niveau naturel, au niveau des paysages. Et ça m'a récompensé une vingtaine d'années à peu près d'action. Waouh, des gravelots à collier interrompu, j'adore. Quoi, vous voulez les voir? Pour ça, il faudra venir ici. Vous croyez quand même pas qu'on allait tout vous montrer d'un coup? Et toute l'année, vous organisez des balades nature pour découvrir ce grand site? Alors oui, alors des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint. Alors on essaye de découvrir la faune, la flore, donc des balades familiales adaptées au public avec des enfants qui durent à peu près 2 heures. Il y a beaucoup de flore dans les dunes? Alors ici, c'est à peu près en fait un tiers de la flore bretonne. Visiter cette dune sauvage, c'est aussi se rendre compte que la nature est forte mais aussi fragile et qu'on doit la protéger. Tout à fait, donc ici on a 4 gardes du littoral qui peuvent apporter des informations au public pour avoir les bonnes attitudes quand on arrive sur ce territoire d'exception. Oui, Valérie, il me semble vous avoir déjà dit de ne pas me déranger cette semaine. Je suis sous l'eau.